Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, la vidéo va être plus ou moins longue ou moyennement longue, je ne sais pas trop. Voilà, j'aimerais parler de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 sujets dans cette vidéo. Certains seront plutôt rapides, certains seront assez rapides, d'autres prendront peut-être un peu plus de place, mais c'est histoire un peu de parler de choses qui peuvent m'agacer et qui se déroulent en ce moment. Un peu de bruit. Du coup, on va parler trois fois de Cube Entertainment. Je sais que beaucoup en ont déjà parlé sur internet. Il y a K-Pop TV qui a fait une vidéo sur Soojin ou sur Yoonjin et tout ça. Après, j'aimerais juste donner mon avis là-dessus. Ensuite, on va parler des fans en général qui prennent trop de place dans le monde artistique. Donc là, on va pas se concentrer que sur la K-pop, mais montrer à quel point ils prennent trop de place. Et c'est pour ça notamment que je vais parler de Soojin juste avant, parce que ce qui arrive à Soojin est d'une certaine part, enfin d'une certaine manière, à cause des fans. Voilà. Ensuite, on va parler d'un groupe qui s'appelle Solia, qui fait beaucoup parler de lui depuis hier, je crois. Parce que je crois que c'est hier qu'ils ont disband, hier ou avant-hier. Donc là, ça fait beaucoup couler d'encre sur internet et tout, et du coup j'aimerais qu'on en parle rapidement. On va parler des Blinks, qui eux me saoulent au plus haut point, vraiment. J'ai vu un truc ce matin, ça m'a saoulé, je me suis dit, mais les gens ils savent plus quoi trouver pour foutre de la haine sur les autres groupes, quoi, c'est incroyable. On va parler aussi également d'un truc qui s'est passé il y a quelques semaines autour de Weekly. Alors là, qui n'est pas très très grave, mais c'est juste, voilà, une nouvelle qui m'a un peu... c'est-à-dire que ça m'a dérangé, mais pas dans le sens où ça m'énerve ou quoi que ce soit, mais que ça me dérange dans le sens où je suis un peu triste pour l'idole que ça concerne, voilà, et puis pour le groupe en lui-même, du coup, qui se retrouve avec un membre en moins. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui m'énerve, c'est un peu la chose la moins énervante du truc, même si c'est un peu triste pour l'idol. Et on va parler forcément pour terminer de Twice et d'une certaine membre également. Alors on va parler que d'une, parce qu'il y en a une deuxième. Apparemment en ce moment il y a un gros hashtag Tsui deserve better machin. Voilà, j'ai essayé de lire un truc, enfin j'ai lu un peu l'article et tout, parce que tout était en anglais, donc j'ai essayé de le lire et tout. Ouais. Voilà, que ça parlait du fait que comparé aux autres, elle était maltraitée, plus ou moins et tout. Bon, après, il y avait des arguments plutôt solides, entre guillemets, sauf que ben, dans les commentaires, il y a quand même des gros fans qui ont mis des arguments qui, quand même, contrecarrient un peu ce que racontait l'article. Voilà, notamment avec le Yes I Am Tsui, c'est vrai que c'est elle la première à avoir lancé cette série-là, à avoir été mise en avant et tout. Après, c'est vrai que moi je trouve qu'elle est quand même pas trop mal mise en avant dans les MV. Enfin, c'est pas même quand on voit More and More, Fish Special, ou qu'on monte même encore plus vieux, comme dans Signal et tout. Moi je trouve que elle est pas si mal mise en avant. Alors c'est vrai que contrairement à tous les autres membres, elle n'a pas. Un peu comme Lisa de Blackpink, je crois que Lisa c'est un peu pareil, Lisa... Non, Lisa elle a quand même des contrats, non du coup c'est pas au niveau de Blackpink. Enfin je sais plus c'est dans quel groupe. Mais c'est vrai que Tsui a ce côté où elle a quasiment pas de contrat avec des marques ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dans un autre groupe il y avait une idol, c'est pareil, où toutes les autres avaient plein de trucs de marque. Et qu'il y en avait une... qui n'avait aucune marque ou quasiment pas de marque avec qui travailler, mais je ne sais plus que c'est dans quel groupe. Parce que de mémoire, je pensais que c'était Lisa de Blackpink, mais Lisa, il n'y a pas si longtemps que ça, on l'a vu sur son Instagram balancer des photos de comment dire, nous balancer des photos où
ou aller avec des marques, quoi. Donc, après, peut-être qu'on a beaucoup moins comparé aux autres membres, mais, ou alors c'est au niveau d'un autre groupe, je sais plus, mais c'est vrai que dans certains groupes, il y a des membres qui ne sont, bah, qui n'ont pas autant la chance d'être mis en avant. Mais après, même si, comme il disait dans l'article, Tsui est la membre la plus aimée de Twice, ce qui n'est pas totalement faux si on prend tous les Ones. Et ceux qui ne sont pas forcément des Ones mais qui aiment bien Twice, c'est vrai que Tsui est le nom qui ressort le plus avec Sana, Momo ou Nayeon. Mais voilà, moi je ne trouve pas qu'elle est si maltraitée que ça, même si forcément elle est un petit peu moins mise en avant que les Coréennes. Mais ça c'est dans tous les groupes où les étrangères sont plus ou moins mal mises en avant comparées aux autres. Même si je pense que dans Twice, ça va encore. Quand on compare à aespa ou à G-Idle ou des groupes comme ça, je trouve qu'encore les filles étrangères de Twice n'ont pas trop à se plaindre comparées à ces autres filles. Voilà, même si forcément à côté des coréennes, elles seront toujours moins mises en avant. Donc pour Cube. On va commencer en parlant de Elki. Alors Elki qui est une membre qui a disband, enfin pas qui a disband, mais qui a quitté le groupe avant les autres. Voilà, alors je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas voilà, elle avait décidé de quitter le groupe. Et du coup, elle avait balancé une petite bombe en disant que voilà, qu'elle n'avait pas reçu de salaire, qu'elle était très maltraitée dans le label. Enfin, je crois que c'est elle que les gens disaient qu'elle avait aucun talent, globalement, qu'elle avait rien à faire là. Voilà, quoi. Et du coup, elle a décidé de quitter le label, elle a balancé tout ça. Et voilà. Et c'est vrai que Cube, c'est clairement pas le label le mieux, quoi. Hein. Voilà. Bon, moi je sais que le label que je critique le plus, que j'aime le moins, c'est la SM. Parce que j'aime, il y a beaucoup de groupes que j'adore dans la SM. Voilà. Et que je trouve que les artistes sont très mal utilisés. De toute façon, on en reviendra dans une autre vidéo parce que, comme vous savez, normalement on fait des vidéos présentations. On va se remettre à faire des vidéos présentations parce qu'on avait commencé à faire une partie sur Mamamoo et puis on n'en a pas ressorti depuis. Mais on va s'y remettre. Et on en avait fait une sur aespa qu'il va falloir qu'on refasse parce que là on va rajouter en même temps quelques éléments, surtout concernant Gisèle qui est ultra maltraitée. Alors qu'elle fait partie d'un des groupes les plus populaires actuellement. Donc voilà. Mais du coup, Gisèle, on va pas en parler dans cette vidéo. On en parlera dans une vidéo à part autour d'aespa. Mais c'est vrai que c'est ce qui lui arrive en tout cas est scandaleux pour aucune raison, quoi. Enfin si, elle est japonaise. Donc forcément, c'est un problème là-bas. Mais voilà, du coup, Elki qui avait quitté le label et qui avait déjà balancé que... voilà, le label avait pas grand chose à faire de CLC et qu'ils avaient même pas vraiment l'intention de faire plus d'activités que ça avec le groupe. Et par la suite, donc il y a peut-être une semaine maintenant, je pense, une ou deux semaines, on a du coup Yoon-jin qui est une des membres de CLC actuelle et qui fait partie du Survival, le Girls Planet 1999 là. Et qui a balancé, du coup, pendant une sorte de petite interview, que du coup, elle voulait toujours continuer à faire sa carrière de chanteuse, mais que le label n'avait plus l'intention de faire d'activité avec CLC. Et apparemment, je sais plus où j'ai vu ça, mais que apparemment les membres avaient dû se battre corps et âme pour déjà que le titre Hélicoptère, donc je crois qu'il est leur dernier titre, puisse sortir. Donc voilà, déjà c'est même pas normal que des artistes aient à se battre pour qu'un titre sorte. Mais je sais que chez Blackpink ça a existé aussi. Au niveau de Whistle, je crois que c'est Whistle, où les Blackpink ont dû se battre pour que le titre y sorte parce que bah, au début les gens dans la production se disaient ouais, non, c'est un titre, il va pas marcher, machin et tout. Au final, elles ont quand même voulu que le titre y sorte, le titre est sorti, au final. Bon, c'est pas mon titre préféré, mais je pense que Whistle est quand même dans mon top 5 au vu des. Alors, si on considère avec les titres avec MV, je pense qu'il va dans mon top 5 avec How You Like That, Kiss This Love, Doudoudou
et Bombaya. Bon, par contre, si on rajoute les B-sides, bon, ils restent, ils descendent d'une place parce que j'adore. Non, peut-être pas que d'une place, peut-être d'une ou deux places parce que j'aime beaucoup Crazy Over You. J'aime beaucoup également Pretty Savage. Après, j'aime beaucoup You Never Know, mais entre Whistle et You Never Know, je pense que ça jouerait dedans. Mais bon, Whistle serait clairement dans mon top 10 en tous les cas. Donc, je pense que ça n'a pas été une erreur de sortie ce titre. Et là, c'est pareil qu'Hélicoptère, le titre, ils ont dû se battre pour qu'il sorte. J'avoue que je l'ai pas trop écouté, Hélicoptère. Moi, je suis plus un grand fan de Hobgoblin, que j'écoute quasiment tous les jours. Voilà. Mais Hélicoptère, je l'ai pas trop écouté, donc je peux pas trop juger, mais je pense que c'est quand même un titre qui est pas mal, quoi, parce que ce qu'elles font est vraiment pas mal. Et voilà. Donc un peu ce qui concerne autour de CLC, et c'est vrai que ça a avivé la colère des oula, je vais pas le prononcer le mot, je sais pas comment ça se prononce, mais en gros de la femme d'homme de CLC, et même d'autres fans de K-pop en général, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros les CLC ont commencé la même année que Twice. Je crois qu'elles ont même commencé quelques mois avant Twice. C'est-à-dire qu'elles ont commencé en 2015, donc également la même année que les Oh My Girl. Donc voilà, ces trois groupes-là ont débuté la même année. Et du coup, les contrats, on sait que forcément il peut y avoir des contrats éphémères comme Eyes One et IOI qui étaient des contrats de 2 ans à peu près. Et la majorité des contrats de K-pop sont des contrats de 7 ans. Et du coup, honnêtement, je trouve complètement con d'avoir un groupe et de ne pas vouloir l'utiliser pendant 2 ans. Parce que si Hélicoptère n'avait pas été pas sorti, le groupe aurait été en inactivité pendant presque 2 ans. Enfin, c'est comme les AOA. Les AOA, ça fait un moment qu'ils sont en inactivité. Je vais essayer de regarder ça quand ils sortent leur dernier titre. Les AOA, ça fait un petit moment qu'elles sont en inactivité. Les Girls' Generation, alors je compte pas les solos, mais en tant que groupe, ça fait 4 ans qu'elles sont en inactivité. Honnêtement, ouais, alors leur dernier mini-album est sorti en 2019. Mais en ce qui concerne les MV. Elles ont sorti un truc en 2019, mais du coup, si elles ont rien sorti après, ça veut dire quand même que ça fait 2 ans qu'elles sont en inactivité, les AOA. Clip vidéo. Ouais, bon, le dernier clip vidéo que j'ai, c'est 2016. 2015. Alors, du coup, ça veut dire qu'elles auraient sorti un mini-album en 2019, mais sans. Ouais, bon, en tout cas, leur dernier album est sorti en 2019, mais il n'y a pas l'air d'avoir eu de. Bon, après, là, je suis sur la version française, les versions françaises sont souvent un peu merdiques, parce que les trucs sont jamais très complets. Mais en tout cas, leur dernière activité en 2019. Donc, déjà, les AOA, déjà, ça fait 2 ans qu'elles sont en inactivité. Les CLC, ça aurait fait 2 ans d'inactivité si Hélicoptère n'était pas sorti. Les Girls' Generation, elles ont re-signé pour se retrouver en inactivité pendant 4 ans. Du coup, en fait, je vois pas l'intérêt des labels, du coup, de garder un groupe, surtout les groupes féminins, parce que j'ai l'impression que ça arrive plus aux groupes féminins qu'aux groupes masculins, mais après, je connais un peu moins les groupes masculins, donc si ça se trouve, je dis une bêtise là-dessus, mais voilà. Mais je vois pas l'intérêt qu'un label a de signer un groupe ou de re-signer un groupe ou de garder un groupe s'ils n'ont pas l'intention de faire des activités avec. Moi je vois, enfin pour CLC, si j'étais Cube, je me dis bon, voilà, on a fait 5 ans ensemble, j'ai plus vraiment d'idée de quoi faire avec vous, bah voilà, on rompt le contrat, vous allez faire autre chose, enfin je sais pas, tu laisses pas les gens en inactivité pendant 2 ans ou se battre pour qu'elles aient une activité, enfin c'est pas le principe, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'entertainment. Voilà, quand on voit la SM qui laisse les Girls' Generation sans activité pendant 2 ans, enfin pendant 4 ans, à part les solos, mais bien sûr, comme je dis, les solos ça compte pas, là-bas c'est quand même un groupe.
Je vois pas l'intérêt de garder le groupe féminin le plus mythique chez toi si c'est juste pour dire bah regardez, on a encore les Girls' Generation, mais à côté tu ne fais rien avec. C'est quoi l'intérêt? Y a aucun intérêt à garder un groupe mythique, c'est pour rien faire. Et honnêtement, je suis de plus en plus confus autour des Red Velvet, et j'avoue que j'ai très 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 peur que les Red Velvet re-signent un contrat. On sait que les fans vont dire quoi, mais non, on a envie que les Red Velvet restent. Moi j'aimerais, mais imaginez les 5 filles à re-signent. Bon, déjà, je trouve qu'il y a peu de chances que ça arrive, surtout pour Yeri qui en ce moment tombe dans des séries et tout, donc bon voilà, je trouve qu'il y a peu de chance. Mais imaginez le cas où elles re-signent et qu'elles sont traitées de la même manière qu'elles sont traitées là. Enfin, qu'elles sont traitées de la même manière, je veux dire, que les Girls' Generation. Honnêtement, moi, je préférerais du coup qu'elles disbandent et suivent leur carrière solo plutôt que de les voir re-signer et attendre 5 ans, 6 ans pour avoir un clip en groupe. Voilà, ils nous balanceraient des solos, alors que si ça se trouve, si elles allaient ailleurs, elles auraient des solos également et qu'elles pourraient peut-être même reformer un peu le groupe, un peu comme on a pu voir là actuellement avec Hyolyn et Dasom de Sistar qui ont fait un petit truc ensemble ou. Voilà, enfin voilà, moi j'ai très très peur du coup qu'elle re-signe pour être traitée de la même manière que les Girls' Generation. Et voilà, c'est pour ça que pour CLC, je ne comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir un groupe, de le garder si tu ne veux plus rien faire. Au bout d'un moment, tu les disbandes, comme ça elles peuvent aller faire leur carrière en solo dans d'autres agences et ne pas finir. Dans un état catastrophique, comme l'a été Yoon-jin, qui était en pleurs devant la caméra pour raconter ce que je vous ai dit sur elle, quoi, et sur les CLC en général. En sachant que, en plus, pour ça je ne l'avais pas noté, mais on peut également parler de Sorn, de CLC, donc ça commence à faire beaucoup. Trois membres, je sais pas combien elles étaient au début, les CLC, parce que je crois qu'elles sont. Ouais, t'as son combien. Je vais pas en finir une bêtise parce que. Ça trouve, je vais me faire taper sur les doigts par les. Par ceux qui sont plus grands fans que 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça va. Je m'étais pas trompé dans les chiffres que je voulais dire. Hein. Elles sont. Actuellement, elles sont 6, mais 7 si on compte elles qui. Enfin, elles étaient 7, elles ont fini à 6. Du coup, on est quand même à quasiment la moitié où il y a des problèmes, mais c'est vrai qu'il y a Sorn de CLC. Qui, par exemple, toutes ses vidéos de sa chaîne YouTube ont été supprimées. Enfin, elle les a supprimées. C'est vrai que dans un live, elle a plus ou moins sous-entendu qu'elle a été forcée à les supprimer. Et après, elle a rassuré en disant qu'elle allait refaire des vidéos, machin et tout. Mais apparemment, Cube Entertainment aurait forcé Sorn à supprimer toutes les vidéos qu'elle avait faites durant. Durant le temps où elle était chez Cube. Donc pour l'instant, il n'y a pas de disband d'annoncé. CLC est toujours un groupe de Cube. Sauf qu'elles sont en inactivité. Voilà, par Sorn qui fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, mais dont tout a été supprimé et bah, que là, va devoir en refaire. En tout cas, apparemment, j'utilise du conditionnel parce que voilà. Elle a dit qu'elle avait été obligée. Après, est-ce que c'est Cube? Est-ce que c'est un autre problème? Parce qu'après, il aurait très bien pu utiliser un mauvais truc et puis qu'il y ait des problèmes de droit. On ne sait pas précisément ce qui s'est passé, mais c'est vrai que la façon dont elle dit ça, la majorité pense que c'est Cube qui l'a forcé. Ce qui, honnêtement, ne m'étonnerait pas, mais je ne veux pas dire des choses sans avoir des infos concrètes. Voilà. Mais. C'est vrai que si c'est le cas, ça commence à faire beaucoup. Sans compter que Cube, avec l'histoire de Yuna, qui avait viré Yuna pour un rancard avec son copain, sans la prévenir. Sans la prévenir. Yuna, elle avait été au courant qu'elle était virée de Cube par les médias. Donc imaginez, vous êtes une des plus grosses stars de la K-pop de votre époque, vous vous réveillez un matin, vous regardez les infos et vous apprenez que vous êtes virée. Et qu'on ne vous a absolument rien dit quand vous étiez à votre travail juste avant, enfin la veille ou. Vraiment, ce label est catastrophique. Et pour cela, on va arriver à Soojin.
des J-Idol qui, pareil, a été virée. Donc, bon, enfin, elle a vraiment été virée, oui, comme Yuna, mais c'est vrai que comparé aux CLC qui sont en inactivité et qui, voilà, sont toujours là, elle a été virée. Alors, son cas est assez complexe, donc pour ceux qui connaissent K-Pop TV, quand je fais vidéo, ce que je vais dire, vous le connaissez déjà. Pour d'autres qui ne connaissent pas forcément K-Pop TV, bon, bah, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Mais il se trouve que en gros, il y a quelques mois, il y a eu des accusations autour de Soojin, comme quoi elle aurait harcelé d'autres personnes, notamment une actrice. Sauf que le problème, c'est qu'on est certain de rien du tout. Parce que aucune info concrète nous dit que Soojin a réellement harcelé cette personne, ou même d'autres personnes quand elle était plus jeune, et en même temps, il n'y a aucune preuve qui prouve le contraire, ce qui fait que on ne sait pas si elle est innocente ou si elle ne l'est pas. Et le problème, c'est que du coup, le label, au bout d'un moment, a pris la décision de virer Soojin et de ne plus supporter l'idole. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une idole qui est virée sans connaître le résultat du procès, quoi. Même si apparemment il y a des rumeurs comme quoi au final G-Idle n'aurait pas, enfin pas G-Idle, mais le Cube n'aurait pas du tout fait de poursuite judiciaire pour essayer de défendre Soojin. Mais qu'apparemment ils voulaient s'en débarrasser dès le début, quoi. Mais à mon avis, ils ont dû vouloir tâter un peu le terrain au niveau des fans. Ça, c'est plutôt mon avis. Puisque, voilà. Ça aussi, ça fait un énorme tollé. Le cas que Soojin se fasse virer des G-Idol, surtout qu'elle a été considérée comme une des meilleures danseuses très très rapidement, elle avait beaucoup marqué les esprits, et au final, elle se fait virer. Et voilà, tout ça à cause d'une histoire dont en plus on n'a même pas la fin de l'histoire. On ne sait pas si elle est coupable, si elle est innocente. Et si elle est innocente, je pense que Q va encore surprendre une petite vague de colère dans la tronche. Ensuite, j'aimerais parler du fait que les fans ont trop de place dans la création artistique. C'est fait qu'aujourd'hui, que ce soit partout, hein, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit les séries télé, que ce soit même le divertissement comme le catch, aujourd'hui on est dans une communauté avec les réseaux sociaux qui est méga méga toxique. Et honnêtement, j'aimerais parfois que les réseaux sociaux n'aient jamais existé. Parce que dans tout maintenant, si les fans on ne fait pas exactement ce qu'ils ont envie, ça ne va pas. Tout de suite, hop là, c'est de la haine, c'est du harcèlement, c'est des menaces de mort. C'est devenu n'importe quoi. Et ça, on peut le voir partout qu'aujourd'hui, les fans contrôlent tout. Contrôlent tout. Donc, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris en rajoutant Koh-Lanta dans le divertissement. Parce que Koh-Lanta, au moment où j'enregistre, reprend ce soir. Donc, ça, c'est la folie. Je suis tellement heureux de revoir Koh-Lanta, même si c'est un peu tôt, je trouve. En plus, en parlant de Koh-Lanta, vite fait, c'est un petit truc à critiquer. Chez TF1 ou putain, je me souviens plus comment ça s'appelle, ALP Production, voilà. Je me dis, ils sont quand même un peu cons parce que ils nous mettent Koh-Lanta là aujourd'hui le 24 août. Sauf que dans 2 semaines, il y a un match de foot le mardi soir. Ce qui fait que du coup, là on va voir l'épisode 1, la semaine prochaine on a l'épisode 2, ensuite on va avoir une pause, épisode 3, épisode 4, nanana. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de commencer Koh-Lanta la semaine après ce match de foot et qu'on n'ait pas de pause? Je veux dire, c'est complètement con. C'est complètement con de nous foutre 2 épisodes et une pause d'une semaine, puis pour nous rebalancer épisode 3, 4. Surtout que, bon, dans le sens, je comprends parce que épisode 1, 2, 3, bon, c'est les premiers épisodes, c'est pas les saisons, enfin les moments où on est le plus emballé ou comment dire, voilà, où on n'est pas, où c'est pas le plus intéressant. Je veux dire, c'est plus intéressant un peu plus tard quand vraiment les stratégies sont mises en place, que on commence à s'approcher des ambassadeurs du parti individuel. Là, ce qui commence vraiment à devenir intéressant, c'est que les premiers épisodes, c'est pas trop trop intéressant, donc je comprends. Mais quand on sait que la saison précédente a dû se terminer vers mai, en cela, avril, mai, juin.
Non, plutôt mai, ouais, avril, mai, dans ces eaux-là que ça se terminait, les armes secrètes. Donc on se dit, là, ça fait à peine que 3-4 mois. Sans Koh-Lanta, et on prend déjà, ça fait très très tôt. Donc je me dis, c'est quand même un peu con de pas avoir passé ça après le match de foot. Mais bon, voilà. Mais quand on regarde déjà les fans au niveau de Koh-Lanta, déjà quand leur aventurier qui préfère est éliminé, tout de suite il y a un gros pétage de câble, il y a du harcèlement, il y a même eu des menaces de mort à deux reprises. Alors une fois pour une émission, la deuxième fois je ne sais plus pourquoi, mais je crois pas que c'est autour d'une élimination. Mais ça va très très loin quand ton aventurier est mis, alors que c'est qu'un jeu, c'est des jeux d'élimination. Et les aventuriers en eux-mêmes, après, quand le jeu est terminé, ils sont tous là à faire des bouffes ensemble, à boire ensemble. Enfin, les fans, vous êtes complètement cons. Vous êtes complètement cons. Les mecs en dehors du jeu, alors c'est vrai que quand ils sont dedans, t'es en plein dedans, t'as envie de gagner, donc quand t'es éliminé, forcément, t'es un peu frustré. Mais une fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont réglé leur compte, voilà, après une petite discussion, machin, les mecs, ils s'entendent quasiment tous bien. C'est très très rare que deux aventuriers soient encore en conflit après les productions. Ça arrive, mais c'est quand même extrêmement rare. Sans compter que là, il y a plein de débiles qui ont dit, oui, maintenant, comme c'est le mardi, on va pas regarder Koh-Lanta. Bah, très bien, regardez pas Koh-Lanta. On va être très très bien sans vous. Si on peut garder que les vrais fans de Koh-Lanta, c'est très très bien. Surtout qu'en plus, les arguments sont d'une nullité. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Entre ceux qui disent, oui, mais Koh-Lanta, le lendemain, on travaille, nanana. Oui, vous, peut-être que vous ne travaillez pas le samedi, mais le samedi, il y a quand même tous les gens qui travaillent dans la vente, qui travaillent. Il y a tous ceux qui travaillent dans le transport, qui travaillent. Je veux dire, la majorité des Français travaillent le samedi. Donc l'excuse du ouais moi je préfère le vendredi parce que je travaille pas le lendemain, c'est ultra égoïste. Parce que la majorité des Français travaillent le samedi. Tous ceux qui travaillent dans la vente dont on a besoin, tous ceux qui sont coiffeurs, tous ceux qui travaillent dans les cinémas, tous ceux qui travaillent, comme je disais, dans les transports, dans les aéroports, au niveau de la SNCF, enfin. Le samedi, c'est quand même un jour qui est ultra vivant en France. Encore, ce serait, on me dirait, oui, le dimanche, on travaille pas. Effectivement, le dimanche, il y a très peu de personnes qui travaillent. Mais le samedi, il y a la majorité des gens qui travaillent. Donc, c'est clairement pas un argument recevable. Et l'excuse des oui, mais les enfants, nanana. Alors, déjà, faut savoir ce qu'on entend par enfant. Mais pour moi, un enfant, c'est vraiment tout petit, quoi, en dessous de 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même en France. Quand on est en primaire, donc jusqu'au CM2, jusqu'à 9-10 ans, on n'a pas cours le mercredi. Les premières fois où on a cours un mercredi, c'est quand on arrive au collège, à partir de 10 ans. Et encore, le mercredi, c'est court que le matin. Alors peut-être que ça évolue avec le temps, mais en tout cas, c'était comme ça chez moi. D'où les gens, ils s'en plaignent. Si c'est vraiment enfant-enfant, ils n'ont pas à école le mercredi. Arrêtez de faire chier tout le monde. Vraiment, les gens, là, juste parce qu'on a changé de jour, vraiment, ils sont prêts à boycotter l'émission juste pour ça. Et ben, au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est vrai, ces gens-là, c'est pas des vrais fans qui dégagent, quoi. Au bout d'un moment. Pareil au niveau du catch, alors là, c'est pareil, si un catcheur ne fait pas ce que les fans ont envie, ça pète les plombs. Voilà, c'est une horreur. Voilà, sans compter que là, comme les fans, t'as des fans qui ont envie que tel ou tel catcheur revienne, soit champion, et ben la société décide de faire ce que les fans demandent. C'est complètement nul. Vraiment, on a du coup, actuellement, là, on a des nouveaux champions parce que les fans veulent ces champions-là. Et ça, je trouve pas ça normal. Alors, effectivement, l'équipe Randy Orton, Riddle qui passe champion parce que les fans sont très hypés par cette équipe. Ok, je peux comprendre. Mais par exemple, Charlotte Flair, Becky Lynch, c'est des filles qui sont déjà tout le temps mises en avant quand elles sont là. Becky Lynch, elle revient, boum, en 5 minutes, tac, elle redevient championne, juste parce que les fans en ont envie. Bah, au bout d'un moment, arrêtez. Arrêtez de faire tout ce que les fans ont envie, c'est nul à chier. Parce qu'il n'y a même pas de match, vous détruisez peut-être la carrière d'une jeune fille très très talentueuse.
Mais vraiment, tout ça m'énerve. Dans le monde des séries télé, on a eu le cas de Game of Thrones. Ça y est, la dernière saison, elle plaisait pas la majorité, donc hop, ils ont fait des pétitions pour que la saison soit refaite. Mais au bout d'un moment, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes réalisateur, scénariste, acteur? Est-ce que vous savez comment on fait un film ou une série? Non, les gens, ils veulent que ce soit refait juste parce que ça leur plaît pas, mais en attendant, ils seraient incapables de faire ce qui a déjà été fait. Enfin, je vais juste brancher mon truc. Et ça, c'est un truc qui m'énerve énormément. Dans le monde du cinéma, c'est pareil. On a quand même les fans de DC Comics qui ont harcelé à mort Warner Bros. Enfin Warner Studio là. Juste parce que Justice League leur plaisait pas. Ok, ça vous a pas plu. Bon, moi, j'ai trouvé bien, mais sans plus. Mais ils ont harcelé à mort et Warner Bros. Ça fait quoi? A décidé d'offrir. Snyder Cut. Et en plus, ils l'ont offert uniquement pour que les fans ferment leur gueule parce que, comme ils l'ont dit, le film n'est pas canon, quoi. Ils ont fait le film, mais voilà, c'était juste pour faire plaisir aux fans et il n'y aura rien de plus autour de ce film-là. Et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que les fans n'ont pas à décider de la création des artistes. Je veux dire, si aujourd'hui, on ne peut plus faire un film, faire une série, faire du divertissement, faire de la musique, sans que l'on ait uniquement notre patte artistique, autant arrêter le divertissement, quoi. Autant que les gens aient de faire de la musique, que les gens aient de faire du cinéma, de faire de la série télé, et que bah, tous ces gens-là, là, qui critiquent et qui se pensent meilleurs que tout le monde, le fassent à la place des autres. Mais c'est quasiment sûr qu'ils n'y arriveraient pas. Parce qu'ils n'ont pas les compétences pour. Alors peut-être qu'une petite minorité quand même en a. Moi je sais que je suis très critique sur quand je regarde un film ou une série sur le jeu des acteurs ou sur le scénario, mais parce que j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années, j'ai joué sur scène devant des publics et tout, donc je sais c'est quoi de jouer d'être acteur. Pareil, j'ai fait des études un peu en cinéma quand j'étais au lycée, j'ai eu pas mal d'options, j'ai été formé à faire du montage, j'ai été formé à tenir une caméra et à filmer correctement avec une caméra, j'ai été formé à écrire des scénarios et tout. Donc, ce sont des choses, moi, quand je regarde un film, que je regarde beaucoup parce que c'est des choses où j'ai été formé. Mais quand on a un milliard de personnes qui regardent un film Marvel, on va pas me dire que les 1 milliard ont fait des études en cinéma ou en théâtre. C'est clairement pas le cas. Donc voilà, moi tout ça, c'est des choses qui me dérangent. Et du coup, pour en parler en même temps, revenir sur Soojin et son cas un peu particulier, le truc c'est qu'il y a deux écoles. Il y a l'école internationale, donc un peu comme moi, comme d'autres personnes avec qui je peux discuter sur Internet, qui eux vont plus défendre Soojin parce que ce n'est pas notre la culture coréenne n'est pas notre culture. Nous, on voit ça d'un œil extérieur où le harcèlement n'est pas le crime le plus répandu. Alors ça existe énormément, énormément de jeunes se font harceler à l'école et tout en France, mais ce n'est pas... On va dire, les gens n'ont un peu rien à foutre du harcèlement en France. Hein. Il y a des gens qui sont harcelés à leur boulot, à l'école, machin, les gens n'ont rien à battre. Faut le dire honnêtement. Voilà, bon, en Corée ils en font un peu trop. Je trouve qu'en fait on est les deux extrêmes. Eux ils en font beaucoup trop là-dessus. Parce que, à un moment j'en parlais avec un ami, je me disais en fait en Corée c'est limite leur crime le plus élevé quoi. Parce qu'il n'y a pas énormément de voleurs, c'est très rare qu'il y ait des vols, c'est très rare qu'il y ait des viols, c'est très rare qu'il y ait des meurtres. Donc limite leur crime le plus élevé c'est le harcèlement. Et du coup ils en font limite des tonnes parce que c'est leur crime le plus élevé. Bon, nous, on a énormément de voleurs. Il y a quand même pas mal de meurtres ou de choses comme ça en France. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moi, où j'habite à la campagne, il y a encore un meurtre irrésolu. Enfin, irrésolu. Oui et non, parce que la police ne fait rien pour. Mais à peut-être une vingtaine, trentaine de kilomètres de chez moi. Là où j'habitais à Caen, même si c'est quand même une ville étudiante, il y a 1 ou 2 ans, il y a quand même eu un meurtre. Dans une cité de la ville. Donc, si déjà dans les petites villes ou la campagne, les petits coins country, il y a des meurtres,
C'est que j'imagine pas commencer dans les grandes villes des règlements de compte, parce que après, beaucoup de meurtres en France sont des règlements de compte autour de la drogue, hein, parce que la drogue c'est quand même un sacré marché en France, hein. Mais voilà, faut pas se leurrer, en France, comparé à ce qui peut se passer par exemple dans un pays comme la Corée ou le Japon, bah, on a quand même beaucoup beaucoup plus de meurtres que là-bas. Et du coup, nous, tiens, avec notre culture, ce qu'on voit, c'est que le harcèlement, bah, comme on le traite pas comme quelque chose de grave en France, du moins, je prends le cas de la France que je connais pas quand ça se passe dans les autres pays européens, mais comme nous en France, on le prend pas comme un cas grave, et ben on ne le voit pas comme un cas grave. Et du coup, on se dit, ouais, ils abusent, machin, et du coup, pour nous, on va défendre Soulgine en se disant, mais déjà en plus, on est sûr de rien, en fait, c'est surtout ça, le pire, c'est qu'on est sûr de rien, mais pour nous, c'était pas un cas grave, donc on a tendance à la défendre et à être déçu de son exclusion. Moi-même, le premier, je suis déçu de son exclusion. Et voilà. Mais du côté, quand on est dans la culture coréenne, eux, comme je disais, c'est limite leur crime le plus grave. Et se dire qu'une artiste comme ça est plus possiblement harcelée, ça ne plaît pas à la culture coréenne. Parce qu'il faut savoir, c'est que les Coréens voulaient quasiment tous que Soojin quitte les G-Idle. Voilà. Les Coréens, voilà, moi je l'ai lu sur Facebook. Quelques jours après, K-Pop TV en a lui-même parlé sur sa chaîne YouTube. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup le disent, les Coréens ne veulent pas de Soojin. Ils n'en veulent plus à cause de ça. Et le problème, c'est qu'on n'est pas encore certain qu'elle l'ait fait ou pas. Mais juste le fait qu'elle ait possiblement pu le faire, et qu'en plus elle se défend assez mal, du coup ça fout le doute chez les Coréens, et du coup ils n'en veulent pas. Et du coup, le label, qu'est-ce qu'il a pris comme décision? De suivre ce que les fans ont dit, et du coup de virer Soojin, parce que sinon les fans coréens auraient pu boycotter le reste de G-Idle et complètement détruire le groupe. Donc Cube a décidé de, entre guillemets, protéger Soyeon, Mini, Shua, Yuki et Miyeon, et de virer Soojin. Ce qui est très dommage, mais il faut pas oublier que ça vient surtout enfin, ça vient déjà à cause du label qui gère mal son groupe et qui a mal protégé Soojin, mais ça vient aussi des fans qui demandaient tous que, enfin des fans coréens qui demandaient tous que Soojin soit viré. Donc voilà, parce que je sais que beaucoup attaquent Cube, mais il faut pas oublier que les fans coréens, enfin que Cube a fait ce que les fans coréens demandaient également. Donc voilà, donc c'est vrai que le cas Soojin est difficile, parce que nous, en tant qu'international, fan international, on est plus pour qu'elle reste, et en tant que fan coréen, bah, ils sont plus pour qu'elle s'en aille. Et du coup, bah, Cube a décidé d'écouter les gens de son pays plus que les étrangers. Et voilà. Après, je ne sais pas, en termes d'argent et tout ça, si c'est plus les fans internationaux ou les fans coréens qui rapportent le plus en termes, enfin, au niveau de G-Idle. Mais en tout cas, voilà. Un peu pour ça. Ensuite, on va parler du label Space Music Entertainment. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont comme groupe chez eux. On va vite faire regarder ça ensemble. Space Music Entertainment, parce que là, je pense qu'ils ont reçu un record et je pense qu'ils doivent avoir honte de leur record. Honnêtement, à leur place, j'aurais honte de ce record. Alors, on va regarder un peu groupe. Alors, on a Haikuti de 2007 aujourd'hui, Like Me 2020 aujourd'hui, je connais pas du tout. Les soloistes, je les connais pas. Duo Pineapple, ça me dit quelque chose, Pineapple, mais je connais pas plus que ça. Là, là. Groupe. Donc ouais, non, je connais personne qui a fait partie de Space Music, mais je pense que tout le monde, hein, je pense que tout le monde a entendu parler du groupe féminin Solia, qui a fait ses débuts le 17 août 2021 et qui a disband le 23 août 2021. Non, le 22 ou le 23 août 2021, oh, je sais plus. Mais en gros, le groupe a duré 5 jours. Apparemment à cause de problèmes financiers ou je sais pas quoi, enfin que finalement ils n'ont pas de quoi garder le groupe. Alors je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit un peu plus tôt autour de CLC, mais du coup je me dis, quel est l'intérêt
de Space Music Entertainment du coup de vouloir créer un groupe s'il savait déjà qu'il n'avait pas de quoi faire perdurer le groupe. Enfin, faut être complètement con. Je sais pas, au bout d'un moment, quand tu crées un groupe, tu sais que déjà ça va te coûter de l'argent pour faire de la promo, pour... enfin, de l'argent pour faire la promo. C'est parce que j'ai reçu un mail important, mais voilà, que j'ai bugué. Il va falloir faire de l'argent pour la promo, faut de l'argent pour créer l'album, pour créer le MV. Enfin, créer un groupe, ça demande beaucoup d'argent. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont créé ce groupe et que finalement, à peine il y a un MV qui est sorti, ils ont même pas laissé le temps au MV, forcément, je sais même pas s'il y a un MV qui est vraiment sorti, mais ils ont même pas laissé le temps au groupe de faire ses preuves. Au bout de 5 jours, allez hop, on disband. Au bout d'un moment, laisser le temps au groupe déjà de voir déjà si le titre fonctionne. Et ensuite, réagissez par la suite. Que là, bah du coup, on se retrouve avec un groupe. Ouais, il y avait bien un MV qui était sorti. Donc c'est ça, ils ont même pas laissé le temps au MV de faire ses preuves, une longue disband, avant qu'il ait pu faire ses preuves. Ah bah ça y est, l'épisode 3, il sort à quelle heure, les CSI, ils sortent à midi, alors que tous les trucs sortent à 11h d'habitude. Bref. JYP est chiant aussi. Et du coup, je trouve ça complètement con, du coup, effectivement, de mettre en avant un groupe pour créer, sortir un MV et juste après le disband. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mal géré le côté financier autour du groupe. Et je trouve ça complètement con parce que du coup, il y a peut-être des gens qui attendaient énormément ce groupe pour au final ben, ne rien avoir à part un MV. Et je trouve ça super triste, en plus pour les artistes qui ont dû se donner corps et âme pour faire partie de ce groupe et au final ben se retrouver à être disband quoi. Ensuite on va parler des Blinks. Est-ce que les Blinks encore ce matin ont fait un truc qui est vraiment casse-couille? Alors moi j'ai vu l'annonce ce matin, mais ça doit sûrement dater de plusieurs jours. C'est que ils sont encore en train de critiquer, de s'en prendre à Aespa, et ça c'est un truc qui m'énerve parce que du coup les Blinks sont en train d'attaquer Karina, donc le leader de Aespa, en la traitant de plagiat sur Jisoo. Plagiat sur Jisoo. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que sur les photos qu'elle prend, des fois elle peut avoir la même pose que Jisoo. Waouh, il y a une photo où Jisoo était tout en truc à carré. Waouh! Karina avait une veste en... enfin tout un peu, tu sais, les motifs écossais là. Waouh, il y en a une qui avait une sorte de tenue en truc écossaise, l'autre avait juste un gilet en mode écossais. Oh, plagiat et copie de Jisoo. Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Vraiment, déjà, les poses que Karina ou Jisoo peuvent prendre sur leurs photos, déjà, la plupart des artistes, même voire la majorité des artistes, prennent ces poses-là, des tenues à motifs écossais entre guillemets, tous les artistes en ont déjà porté. Vous regardez dans les MV, dès qu'il y a des trucs en mode un peu étudiant et tout, ils ont des motifs comme ça. Tous les artistes quasiment ont porté ce genre de vêtements. Et même avant même que Blackpink existe, ce genre de vêtements était déjà porté par des artistes. Prendre des photos juste en se tenant les cheveux comme ça ou en étant comme ça, plein d'artistes le faisaient avant même que Jisoo soit dans le monde de la musique. Donc au bout d'un moment, les Blinks arrêtaient de casser les couilles à tout le monde parce que là vous saoulez tout le monde vraiment. En plus, pour attaquer Karina, c'est pas parce que Aespa dans les classements colle au cul d'Aespa, enfin de Blackpink, qu'il faut que vous essayez de détruire la carrière de Aespa. En fait, en faisant ça, vous allez donner encore plus d'importance à Aespa, et peut-être qu'un jour, Aespa va même dépasser Blackpink. Et ça, on voit que ça fait peur aux Blink. La popularité d'Aespa leur fait peur. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, parce que du coup, ils se sentent obligés d'attaquer Aespa, mais pour des trucs, mais tellement stupides.
Genre, oh là là, elle a fait une photo en se tenant les cheveux. Oh, elle a plagié Jisoo. Bah, sauf que quand Jisoo le fait, elle-même, d'un coup, si on prend le même raisonnement, elle plagie d'autres artistes qui faisaient ça avant elle. Bah oui. Si on prend le raisonnement des Blinks, Jisoo, à chaque pose qu'elle prend dans ses photos, elle copie elle-même d'autres artistes qui faisaient ça avant elle. Mais pourquoi est-ce que pour elle c'est pas du plagiat, mais c'en est pour Karina? Bah non, c'est complètement con. En plus, le genre de pose que prend Karina sur ses photos, c'est le genre de pose classique qu'on peut retrouver dans des agios ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment les trucs typiques coréens. Donc à aucun moment elle plagie, soit elle fait bah, les poses qu'il y a dans la culture de son pays. Donc au bout d'un moment, arrêtez de lui casser les couilles et concentrez-vous plutôt sur votre groupe, supportez votre groupe, mais allez pas attaquer les autres. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Et pour dire un petit truc pour contrebalancer autour de Blackpink, on a eu quand même une photo teaser du... je vous la mettrai là, du comeback de Lisa, enfin plutôt de son premier titre solo. Et j'avoue que ça, j'ai hâte de la voir, parce que Lisa est ma bias de Blackpink. Donc j'ai hâte de voir ce que va nous offrir Lisa dans son titre solo. Donc il n'est pas apparemment sortirait soit la fin août ou début septembre, mais j'avoue que j'ai une hâte pas possible de voir ce titre solo. Donc voilà, j'ai beau gueuler sur les Blinks. J'en ai, enfin, j'ai rien contre les artistes, et au contraire, comme on peut le voir, j'ai très très hâte de voir ce titre de Lisa. Ensuite, on va parler rapidement de Play M Entertainment et de Weekly. Donc, voilà, on a appris il n'y a pas longtemps que Ji-Yoon était en hiatus depuis, bah voilà, pas longtemps, et j'avoue que c'est un truc qui m'attriste un petit peu parce que. Ça veut dire déjà que si elle est en hiatus, que déjà elle a du mal avec la pression. Donc est-ce que c'est la pression des fans? Parce que bon, les fans dans le monde de l'art, comme on l'a parlé quand je parlais du catch, de Koh-Lanta, du cinéma, série, tout ça, bah, c'est quand même hardcore. Voilà. Donc est-ce que c'est à cause des fans? Est-ce que c'est le label qui gère mal le groupe? Parce que j'avoue que je n'ai aucune idée de comment Weekly est géré dans son groupe. Mais voilà, moi je sais que. Je suis un peu déçu, voilà, qu'elle soit en hiatus, parce qu'il faut savoir que Ji-Yoon, c'est un peu, alors pas dans l'attitude, mais en termes de créativité, c'est un peu l'équivalent de Soyeon des G-Idle. Il faut savoir que Ji-Yoon a écrit ou participé à l'écriture de la majorité des chansons de Weekly. Et du coup, c'est un peu triste de la voir partir en hiatus. Donc voilà, c'était un peu la petite info sur elle. Voilà, bon, qui n'est pas non plus catastrophique. J'espère qu'elle va se remettre bien de ce qui lui arrive, hein, de peut se passer des problèmes de santé, parce que de toute façon les labels nous disent tous que de toute façon c'est des problèmes liés à l'anxiété, mais voilà, en même temps ils vont pas nous en dire plus si eux ils sont coupables de comment se sentent les artistes, hein. Et voilà, en tout cas j'espère qu'elle se sentira mieux, qu'elle reviendra assez rapidement avec les Weekly, parce que ouais, c'est un groupe que j'aime de plus en plus, plus je le découvre, plus je l'adore, et plus il monte dans mon top, hein. Je pense même que c'est un groupe qui a le potentiel d'être dans mon top 10, tellement j'aime beaucoup, et c'est peut-être même un groupe sur lequel je vais travailler prochainement, mais hors vidéo, parce que là j'ai passé, enfin je suis en train de passer des tests pour devenir journaliste bénévole, et il va falloir que je choisisse un groupe sur qui travailler, et j'avoue que si l'association travaille en lien avec Play M Entertainment, j'avoue que ça me dérangerait pas de bosser sur Weekly. Bon, après, s'ils ont des contacts avec Playdis, bon, peut-être que je me dirigerai plus vers les Pixies, je sais pas encore sur qui travailler, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que Jiyeon reviendra en forme prochainement. Et pour finir, on va terminer sur JYP et le hiatus de Jonghyun. Donc le hiatus de Jonghyun qui a été annoncé il y a 4-5 jours, il y a vraiment très très peu de temps, qui a beaucoup secoué également le monde de la K-pop, parce que Jonghyun a été absente pendant longtemps. Elle a été absente pendant peut-être 4-5 mois, un truc comme ça. Le label l'a fait revenir, et à peine elle est revenue, boum, elle repart en hiatus. Pareil, un peu pour les mêmes raisons et tout. Et je trouve ça un peu con. Alors,
je vais un peu blâmer JYP. Après, est-ce que c'est que de la cause de JYP? Je ne sais pas. Mais je trouve que JYP n'a pas pris suffisamment soin de Jonghyun, dans le sens où l'artiste se sentait pas bien, elle avait des problèmes de santé et tout. Et je pense que beaucoup de fans, parce que je pense que les femmes sont les fans, pas les femmes, les fans sont à blâmer aussi, parce que je pense que beaucoup de fans ont dû demander énormément le retour de Jonghyun, et je pense que JYP a dû se dire, bah, si on la ramène pas rapidement pour avoir des problèmes avec les fans, donc faudrait essayer de la ramener au plus vite. Ce qui fait qu'à mon avis, ils ont dû ramener Jonghyun au plus vite, et ce qui fait qu'au final, bah, ils se sentent toujours pas bien et qu'ils sont obligés de la remettre en hiatus. Et du coup, je trouve que ces décisions-là sont quand même assez discutables du côté de JYP, qui d'un côté a voulu faire plaisir aux fans, mais qui en même temps n'a pas suffisamment pris soin de son artiste. Après moi, comme je le disais, moi, quand les agences, que ce soit de musique, de cinéma et tout, se plient aux demandes des fans, ça m'énerve. Parce que t'as pas à te plier aux demandes des fans. Au d'un moment, ton artiste passe avant. Si Jonghyun ne se sentait pas suffisamment bien, pour moi, elle n'aurait pas dû se forcer pour les fans. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, jackpot, on se retape à nouveau un hiatus de Jonghyun. Voilà, moi je sais que j'aurais aimé qu'il revienne, mais pour moi, sa santé, elle passe avant tout. La santé de Jonghyun, ou même celle de Jihyun actuellement, passe avant le plaisir des fans de les voir dans les MV, dans les Time to Twice, ou n'importe quoi. La santé des artistes doit passer avant nos envies. Voilà. Et pour quand même se consoler avec une bonne nouvelle, quand même, pour finir, il y a le teaser de The Films de Twice qui est sorti hier. Voilà, parce que j'ai fait mon premier test en écrivant un article sur le teaser, donc voilà, je le sais. Et en gros, sur ce teaser, on peut remarquer que Jonghyun est présente. Donc le 1er octobre, quand sortira The Films, on pourra au moins se rassurer, que ce soit les Ones et les autres personnes, de voir Jonghyun. Donc elle sera pas là pour les promos, les dance practice, tout ça, je pense, mais au moins elle sera là dans le MV, et c'est, on va dire, une petite un petit plaisir qu'on aura de la voir dans le MV, même si elle sera pas là pour, enfin, peut-être qu'elle sera là pour les promos, on sait pas, hein, parce que pour les promos, elle a pas besoin de danser ou quoi que ce soit, elle peut très bien être présente pour juste pour chanter. J'avais vu dans Tokopedia, sur Tokopedia, qui est Tokopedia, qu'elle était venue à un moment pour More and More, je crois, mais elle était assise dans un coin en train de chanter pendant que les autres dansaient, donc peut-être que finalement elle sera quand même là pour ce genre de promo. Voilà. Mais en tout cas, je déplore quand même que voilà, le label et les fans ne prennent pas soin de Jonghyun. Parce que pour moi, le comportement des fans de vouloir absolument faire revenir Jonghyun pour leur plaisir, eh ben, ce n'est pas prendre soin de l'artiste. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, c'est vrai qu'elle a été longue. Voilà, on a parlé de plein de choses qui ne sont pas très joyeuses, malheureusement, mais c'est plein de choses, voilà, qui soit démoralisent un peu, qui énervent un peu, et je pense que, voilà, mettre tout dans le même paquet, au moins, bah, dans les prochaines vidéos, on parlera de choses plus joyeuses que ça, hein. Mais en tout cas, j'aimerais que cette vidéo soit peut-être diffusée sur les réseaux sociaux, tout ça, pour que les gens apportent leur soutien à CLC, que l'on puisse voir les CLC s'épanouir dans un autre label. Voilà, moi ce que je veux, c'est que le groupe disband et que le groupe puisse s'épanouir ailleurs. Voilà, bon, Soojin, comme les Coréens n'en veulent plus, c'est compliqué qu'elle puisse s'épanouir ailleurs, mais voilà, qu'au moins les gens puissent lui apporter du soutien. Peut-être que, comme pas mal d'artistes ont pu faire, qu'elle parte aux États-Unis, faire une carrière aux États-Unis ou un truc comme ça, ce serait pas mal pour elle. Voilà. Voilà, que les artistes de Solia, bon, je les connais pas, je parlais de l'EMV, je pense que je le regarderai par curiosité, mais que pareil, qu'elle trouve une autre agence qui aura plus de moyens et peut-être qu'elle puisse avoir une bonne carrière dans une autre agence. Voilà, que les Blinks arrêtent de s'en prendre à Aespa. Au bout d'un moment, faut arrêter cette concurrence. Faut arrêter. Voilà. Moi, j'adore Aespa, j'adore Blackpink. Au bout d'un moment, j'en ai rien à faire de ce qui se passe. Moi, je supporte les deux. Voilà, moi je m'intéresse aux musiques qu'elles font, à ce qu'elles font à côté, mais je suis pas en train de les concurrencer. Donc les Blinks, arrêtez, laissez Aespa tranquille. En plus, les Aespa sont des fans de Blackpink.
Tout comme elles sont fans des autres gros groupes de l'époque de Blackpink, comme Mamamoo, Red Velvet, Twice, voilà. Donc d'un moment, arrêtez de vouloir créer du conflit entre deux groupes qui n'existent pas dans la vraie vie. Je veux dire, les artistes de groupe ne se détestent pas entre eux. Je veux dire, on prend l'exemple des gens qui ont envie de faire de la concurrence entre Twice, Blackpink, Red Velvet, mais vous prenez juste Nayeon, Nayeon de Twice et très proche de IRène des Red Velvet, tout comme elle est très proche de certains membres de Blackpink. Donc arrêtez de vouloir créer de la concurrence ou du conflit là où il n'y en a pas de base. Voilà. Et en attendant, apportons également beaucoup de soutien à Jihyun de Weekly pour son hiatus, en espérant qu'elle ira mieux, que sa santé ira mieux dans le futur, et également à Jonghyun de Twice, en espérant que sa santé également ira mieux. Et voilà, qu'elle ira mieux et qu'on la reverra en pleine forme, mais vraiment en bonne bonne forme. Parce que j'ai également entendu des critiques autour, que des gens avaient beaucoup critiqué son poids et tout ça. Et je trouve ça dégueulasse, quoi. Voilà, elle est comme elle est. On n'en a rien à foutre qu'elle soit grosse, qu'elle soit maigre, qu'elle soit grande, petite, noire, blanche. On n'en a rien à foutre tant qu'elle chante bien. Ah, tant qu'elle chante bien, qu'elle danse bien, on n'en a rien à foutre du reste, quoi. Donc voilà, donc j'espère qu'elle va pouvoir revenir correctement et qu'on nous dise pas, oui, mais ça c'est la culture coréenne. Non, 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 c'est pas la culture coréenne hein, qui fait ça. C'est la culture des fans qui fait ça, qui veulent tellement avoir la femme parfaite à l'écran qui fait ça. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, quand j'entends des fois des gens qui disent oui, mais ça c'est la culture coréenne, non, non, faut arrêter avec ça. Je peux vous dire juste une de mes actrices préférées, Amanda Seyfried, qui est américaine, hein, dans un entertainment américain, a failli ne jamais pouvoir être actrice parce qu'elle avait des trop grosses joues. Non mais écoutez l'absurdité du truc. Elle a failli ne jamais être actrice parce qu'elle avait des trop grosses joues. Et aujourd'hui, c'est une des meilleures actrices américaines que je connaisse. Donc, au bout d'un moment, je veux bien quand même que la société coréenne soit différente de la nôtre, qu'il y ait des trucs qui vont pas comme des choses qui sont très bien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter à chaque fois qu'il y a un truc de dire oui, mais c'est la culture coréenne. Non, c'est pas la culture coréenne, c'est juste la culture des gens, c'est des célébrités. Voilà, faut toujours qu'ils soient parfaits comme on a envie de les voir. Mais en France, on est pareil. Hein. Si la fille est pas toute mince, toute jolie, c'est pareil, ça en prend plein la gueule. Hein. C'est dans tous les pays comme ça. Donc, normalement, il faut arrêter à chaque fois de dire oui, mais c'est les Coréens. Faut aussi savoir regarder dans nos pays comment c'est et de voir que c'est exactement pareil. Voilà. Donc, dites-moi un peu vous ce que vous pensez de tous les points que j'ai donnés. Apportons beaucoup de soutien à toutes ces personnes du coup qui ne vont pas très très bien et en espérant qu'elles aillent mieux. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être que voilà, des gens vont pas être contents de ce que je dis, mais en même temps, on peut en débattre dans les commentaires. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et j'espère surtout des vidéos plus joyeuses que celle-ci. Allez, salut les anachalypiens.